seniors et les juniors doivent se rencontrer sur le marché du travail, les uns pour transmettre l'expérience aux autres. Comme vous dites, c'est juste. Comment faire en sorte que le regard de la société et du marché du travail. Je crois qu'on est confronté à un défi majeur et Genève n'échappe pas évidemment à une règle générale non seulement suisse mais européenne. La population vieillit et c'est vrai que l'image que les personnes âgées ont d'elles-mêmes mais aussi l'image que la société leur renvoie d'elles-mêmes est une préoccupation que nous devons avoir. Incontestablement, nous ne pourrons plus regarder les personnes âgées dans 20 ans comme nous les regardions il y a 20 ans parce que nous serons tous un jour, nous l'espérons du moins, des personnes âgées. Et donc, la personne âgée n'est plus l'exception dans le paysage. Elle va devenir une règle. Et donc, nous devrons considérer que dans les standards, la vieillesse fera partie. Et au niveau de votre département, qui est quand même assez important, hein, aussi bien la santé que les affaires sociales et le travail, l'estime de soi, ça prend quelle place pour vous ? Alors quand on pense estime de soi, on pense évidemment d'abord santé, puisque avoir une estime de soi, c'est d'être bien dans sa peau, comme on dit. Et si on est mal dans sa peau, à l'inverse, on a évidemment des problèmes avec l'environnement, d'abord avec son corps, bien sûr, avec son esprit, avec la société dans laquelle on vit, dont on n'est pas pleinement intégré. Mais cela a aussi des impacts sur le monde du travail, bien sûr. Puisque l'estime de soi permet de se vendre mieux sur le marché du travail si on doit le faire, alors qu'au contraire, déprécier sa propre image, c'est perdre sa confiance et être moins performant. Est-ce que, avec ce que vous avez découvert de nos activités, est-ce que vous verriez un soutien que la Fondation pourrait apporter, aussi bien au côté santé qu'au côté emploi ? Je pense qu'il est important pour les chômeurs qui sont à un moment difficile de leur vie, qui pour certains sont dans cette situation pour la première fois de leur vie et n'auraient jamais même pensé y être un jour, il y a une déstabilisation et il peut y avoir un risque. Et s'il n'est pas immédiat avec l'écoulement du temps, si le chômage se prolonge, il y a un risque de perdre de sa propre confiance, perdre l'image et l'estime que l'on a de soi-même et donc d'être moins performant dans la recherche d'un nouvel emploi. Et là, il y a évidemment un travail à faire sur soi et on ne peut pas le faire souvent seul si on n'est pas coaché, entouré. Alors certains sont entourés d'une famille valorisante, d'autres n'ont pas cette chance et ils doivent pouvoir compter sur des professionnels qui leur apprennent ou qui leur rappellent que l'estime de soi ne dépend évidemment pas que de l'image que l'on donne de soi-même, mais aussi de la manière dont on se présente de manière globale à son interlocuteur.